Regard triste, songeur, inquiet, François Duval est à pied. Alors, dans le garage familial, il tente d'oublier et de comprendre pourquoi il n'est pas derrière son volant. Ça a traîné énormément, à mon avis, avec les budgets. Les pièces sont arrivées trop tard. Willy n'a pas eu le temps de préparer les voitures et ça a posé un énorme problème. Willy Collignon avait promis à François un matériel parfait, mais... C'est très difficile d'obtenir les budgets. Les budgets, on est certain de les avoir, mais ils sont un peu arrivés en retard. Bon, ben, ok, c'est comme ça, c'est la vie. Et on redémarrera de plus belle un peu plus tard en Sardaigne. Problème de budget donc. Budget qu'avait promis un nouvel investisseur qui nous donne ses versions de la non-participation de François au Portugal. Une explication assez nébuleuse. L'argent est là. Le seul problème que nous avons, c'est un accord de pièces. Et Skoda Belgique fait énormément de choses, mais d'autres partenaires ne font pas ce qu'ils devraient faire. Quelles sont ces rumeurs qui circulent dans la presse que l'argent est bloqué sur un compte et donc il n'est pas tout à fait là? Alors, je vous explique. L'argent qui est bloqué sur un compte est toujours bloqué sur ce compte-là. Donc il n'est pas encore ici? Non, nous avons dû faire un autre système pour ramener d'autres sous, on va dire. Donc ça n'est absolument pas... Donc nous avons, pour le public, comme ça il le sait, nous avons deux sommes d'argent. Une qui est bloquée et l'autre qui est là maintenant. Mais mettre ça en place, ça m'y... vous savez, réagir comme ça et trouver des sommes pareilles en deux semaines, ça met beaucoup de travail. Argent bloqué, problème de pièces, de fournisseurs, on n'en saura pas plus si ce n'est que... Ils ont acheté pas mal de matériel, niveau camion, voiture, etc. Donc on va recevoir tout en même temps, c'est dommage, j'aurais préféré recevoir seulement deux voitures et être au Portugal et d'avoir les autres voitures en cours de saison. Et nous, on aurait préféré voir François sur les spéciales portugaises pour nous ramener de nouveaux souvenirs.